Les réseaux sociaux constituent la principale source d'information aujourd'hui. Je dirais que dans tous les cas, ils sont la voix de plusieurs jeunes générations dans le monde entier. Mais étant donné le niveau très élevé de la censure dans les médias en vogue, il n'y a pas d'alternative. Les réseaux sociaux sont les seuls véritables porte-voix à la disposition du peuple. Des gens de tous âges y contribuent à présent et comptent dessus. Les réseaux sociaux ne constituent plus un phénomène réservé aux jeunes. Je suis persuadé que même certains pro-gouvernements s'inquiètent de la puissance des réseaux sociaux, puisque nous avons atteint un stade où les médias traditionnels sont impuissants. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont aussi menacés. Certaines personnes ont été emprisonnées à cause de leurs tweets, par exemple. Pour autant, le phénomène ne peut pas s'arrêter. Je vois les réseaux sociaux et la communication numérique en général comme une force inarrêtable. Et je crois que cela frustre réellement le gouvernement. Nous devons nous attendre à une pression accrue. Mais il y aura toujours des outils pour innover et y faire face. But there are always tools to circumvent the ban.